Salut à tous et bienvenue dans ce 62e Astro News qui va être épicé. Mais juste avant, on va répondre aux commentaires de Célie H qui a dit « Bravo Avocat pour ce disque d'or et merci de nous avoir fait vibrer tout l'été. » Attends Arnaud, où est-ce que t'as trouvé ce commentaire ? Je l'ai pris sous une vidéo de Squeezie. Pourquoi ? Ok, t'as peut-être pas compris tout le principe de interagir avec la communauté quoi. Tu prends souvent des commentaires sur les chaînes des autres ? C'est grave si je réponds oui. Bon ok, c'est pas grave Arnaud, on a tous droit à une deuxième chance. Et du coup tu réponds pas à Célie ? Sommaire. On va commencer par vous parler de notre goût de l'alcool qui est inscrit dans nos gènes depuis des millions d'années. Et on poursuivra sur une réaction chimique hors norme qui permettra de mieux comprendre la mécanique quantique. Puis on verra qu'une nouvelle technologie de balle de fusil permet de tirer à des dizaines de mètres sous l'eau. Plutôt inquiétant. Et pour finir, l'Agence spatiale européenne prend enfin des mesures de dépollution des orbites basses. Vous allez voir comment ils vont faire. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi des brèves stylées qui traitent de la drogue et de l'eugénisme. Bon, ça me met bien en appétit tout ça, donc sans plus attendre, générique. Antau vol comenzi, mi volas raconti al vi pri mia bonega partnero de la tago, I curso. Bah Chris, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est quoi cette langue ? Enfin Eric, tu connais pas l'espéranto ? Et tu sais, la langue universelle dont on avait déjà parlé sur Poisson Fécond. Qu'est-ce que t'attends pour t'y mettre, quoi ? Bah je sais pas, l'anglais c'est plus simple. Eh bien, c'est là que tu te trompes Eric, c'est faux. Complètement faux. Comme je m'y connais un petit peu, et que ça m'a beaucoup intéressé pendant très longtemps, eh bien sachez que c'est une langue très logique, où il n'y a pas d'exception, et qui est très simple à apprendre. J'en veux pour preuve qu'il suffit d'étudier l'espéranto pendant seulement un an pour avoir un niveau très avancé, alors qu'en anglais, il faudrait 10 fois plus de temps. Alors oui, la langue espéranto est jeune, mais il y a déjà des millions de personnes qui la parlent. Et sur Wikipédia, vous trouverez d'ailleurs plus d'articles en espéranto qu'en grec, hébreu et même en danois. Il y a même de la production culturelle en espéranto, comme des festivals. D'ailleurs, de là d'où je viens, c'est difficile de trouver une galaxie où on le parle pas. Bref, le fait qu'une association d'espéranto nous ait contacté pour pouvoir faire davantage connaître la langue, c'est vraiment top. Et pensez pas que c'est quelque chose qui a rien à voir avec la science ou la techno, puisqu'au contraire, c'est une langue artificielle ou construite, et dont je pense sincèrement le potentiel est bien supérieur à, par exemple, le français. Quoi. Et il est tout à fait possible que dans le futur, on l'utilise de plus en plus, au lieu d'utiliser l'anglais. Si on vous a donné envie d'en savoir plus, bah, y a un lien d'un super cours gratuit dans la description d'ailleurs. Ça s'appelle iCurso et il y a 10 leçons faciles. Pas vrai, Cowboy ? Mais j'aime raconter ce verinon varman. Cette sécane. Je crois qu'il confirme. Il y a plus de 10 millions d'années, nos lointains ancêtres primates étaient déjà des gros soifards. Si vous pensiez qu'on s'était mis à boire de l'alcool récemment, eh bien vous vous trompez. On est obligé d'en consommer depuis la nuit des temps. Comment ça, obligé ? Eh bah écoute, l'alcool a parfois été un passage obligé pour survivre. Lorsque par exemple la nourriture manquait, les vieux primates étaient obligés de manger des fruits trop mûrs qui avaient donc fermenté au sol en dépit du danger. Et ouais, c'est dangereux de manger des fruits alcoolisés quand on vit dans un milieu hostile. Quand il y a des prédateurs autour, t'as pas intérêt à tomber de ton arbre parce que tu t'es flanqué une race. Ouais, et coller une race, tout de suite les grands mots. C'est pas parce que tu manges un fruit fermenté que tu vas rouler sous la table en chantant la Marseillaise, hein. Bah, en même temps, y'avait pas de table à l'époque. Mais détrompe-toi, on peut se mettre de sacrées caisses avec quelques fruits à point. Ça peut monter jusqu'à 4 grammes d'alcool, comme si vous buviez une bière légère, quoi. Il suffisait donc de quelques mangues périmées pour entamer la lucidité de nos chers ancêtres. Ah ouais, les pauvres singes quoi, donc soit ils mangent pas, soit ils se mettent en danger face aux prédateurs. La nature est cruelle. Eh ben pas tant que ça Arnaud, puisque il y a 10 millions d'années, la nature a doté nos ancêtres d'une nouvelle mutation providentielle qui lui a permis de mieux métaboliser l'alcool. Et donc son estomac 2.0 lui a ainsi permis de digérer l'éthanol 40 fois plus vite qu'avant. Et à partir de là, bon bah c'était open bar de fruits fermentés et gueule de bois réduite. Et donc voilà, maintenant vous savez comment l'humain a reçu le super pouvoir de tenir l'alcool. Un scientifique américain veut créer une appli de rencontre qui assortira ses utilisateurs non pas en fonction de leur goût, de leur complicité, mais en fonction de leur ADN. Un projet sulfureux dont l'auteur, George Church, a évidemment été traité d'eugéniste. C'est-à-dire qu'il est accusé de vouloir contrôler la procréation humaine pour purifier l'espèce. Enfin bref, l'eugénisme, c'est une idéologie qui a été salie par certains ambassadeurs allemands un peu zélés et moyennement sympathiques. Enfin, vous voyez de qui je veux parler. Mais George, lui, de son côté, se défend de ces accusations. Eh oui, moi, mon but à la base, c'est d'éradiquer les maladies génétiques, en évitant que ceux qui emportent les germes les propagent. Je suis un gentil, moi. Bon, voilà pour sa défense. Donc, George, selon ses dires, n'est pas dans un délire de purification ethnique. Il veut lutter contre 7000 maladies qui concernent environ 5% de la population. Comme quoi, l'eugénisme peut avoir plusieurs visages. Ouais, il y a plusieurs degrés, c'est pas tout blanc, tout noir, sans mauvais jeu de mots. Donc après, en ce qui concerne cette appli, projet démoniaque ou initiative bienveillante, on vous laisse juger.
la réaction chimique la plus froide de tous les temps vient d'être réalisée et observée à Harvard, à une température de 500 nanokelvin. Et sinon, ça donne quoi dans une unité qu'on connaît ? Eh bien, dis-toi que c'est un demi millionième de degré au-dessus du zéro absolu, soit moins 273 degrés Celsius. Mais alors là-dessus, pourquoi les scientifiques ont procédé à une réaction à cette température ? Eh bien, justement pour comprendre certains comportements quantiques des atomes. Par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, mais les atomes ont besoin d'énergie pour réagir entre eux. Et oui, car pour réagir, les atomes doivent se lier. Et pour se lier, il faut qu'ils vainquent une force qui les repousse et ça demande de l'énergie. Et de l'énergie, les atomes en ont à haute température et ça leur permet ainsi tout un tas de réactions que la physique classique permet très bien de comprendre. En revanche, la physique classique ne sait pas expliquer pourquoi certains atomes très froids arrivent à réagir quand même, sans énergie. Si je comprends bien, il y a certains atomes qui arrivent à vaincre la force de répulsion sans énergie. Comment c'est possible ? Eh bien c'est toute la question, ce phénomène inexpliqué s'appelle l'effet tunnel et c'est un des comportements très étranges de la matière, auquel la mécanique quantique s'intéresse. Et donc imaginez que les atomes se rapprochent très très furtivement pour une raison inconnue. Donc cette expérience-là vise à ralentir le phénomène et à l'observer pour mieux comprendre ses mécanismes. On verra donc plus tard ce que les chercheurs auront trouvé. Pourquoi la physique moderne a-t-elle toujours échoué dans ses tentatives de description du monde atomique ? Le Sénat vient d'adopter à l'unanimité une proposition de loi qui vise à interdire la vente de protoxyde d'azote aux mineurs. Alors à la base, si vous le saviez pas, c'est un gaz qui est censé s'utiliser en cuisine pour faire fonctionner les siphons. Mais des fêtards lui ont donné un usage un peu plus récréatif. Eh oui, parce que le proto, c'est des vertus euphorisantes quand on le respire. Putain. Pour ceux qui se demandent, la mode c'est de le consommer dans un ballon de baudruche, un peu comme de l'hélium finalement. Je t'arrête ici, on n'est pas là pour faire des tutos défonce, mais pour prévenir au contraire que le proto c'est pas si inoffensif que ça. En fait, ses effets sont puissants, on peut aller jusqu'aux hallucinations, aux maux de tête. Puis sur le long terme, il y a même des risques de troubles du rythme cardiaque, de perte de mémoire, sans oublier la perte de dignité. Parce que rouler par terre comme une merde devant ses potes, c'est pas tout à fait le sommet de l'élégance. Et faut surtout pas oublier de mentionner les troubles de l'érection si on veut dissuader la jeunesse, y'a que ça qui les intéresse. Des balles de fusil seront bientôt capables d'atteindre une cible sous l'eau à plus de 60 mètres de distance. Et ce, grâce à une technique qu'on appelle la supercavitation. Donc super nouvelle pour les tireurs, mais mauvaise nouvelle pour les cibles qui étaient jusque-là protégées par la densité de l'eau. Oui, parce que jusqu'ici, une balle de fusil qui est capable de parcourir plusieurs kilomètres dans l'air, ne faisait que quelques mètres dans l'eau, avant de s'arrêter net. Mais là, c'est de l'histoire ancienne, puisque l'entreprise DSG Technology a fabriqué une balle spéciale qui a percé 2 cm d'acier. Et ça, c'était après une course de 17 mètres dans l'eau. Comme nous le disions, ces balles très performantes utilisent la supercavitation, qui était une technique utilisée jusqu'ici plutôt pour les torpilles. Bon, accouche, c'est quoi la cavita machin là ? Eh bien, ça consiste à entourer le projectile d'une bulle d'air qui diminue en fait les frottements sur sa surface, puisque en gros, il y a juste la pointe de la balle qui est en contact avec l'eau pour définir la trajectoire, mais le corps, lui, se stabilise en tournant sur lui-même. Voilà, c'est un peu technique, mais dites-vous juste que si on peut avoir une couche d'air entre nous et l'eau, on peut aller beaucoup plus rapidement comme ça. Et c'est pas tout, la balle est même capable d'entamer sa course dans l'air puis de la finir sous l'eau sans dévier, et vice versa. Bref, ces balles sont performantes en toutes circonstances, et ce, en partie grâce à leur finesse. Et donc là-dessus, les usages sont nombreux, et on peut imaginer que des cibles pourraient être abattues sous l'eau, par des plongeurs ou même depuis un hélicoptère. Alors ça fait limite flipper, mais on va dire que là, à défaut de suivre cette innovation, on peut la surveiller. Tire dans 3, 2, 1... La pilule contraceptive bouleverserait le cerveau des femmes qui la prennent, et ce de manière spectaculaire. Elles auraient, par exemple, un hypothalamus un peu atrophié selon les résultats d'une étude menée à New York. Mais c'est pas tout, parce qu'elles pourraient aussi corrompre le moral, l'humeur, l'appétit, le sommeil et même la libido. Oh ok, c'est grave alarmant, mais l'étude elle est sérieuse au moins ? Enfin, il y avait combien de participants ? Il y avait 50 participants, donc on peut pas tout prendre au pied de la lettre, et faut attendre d'autres études de plus grande envergure pour confirmer ou infirmer ces résultats. Mais en tout cas, ce qui est surtout nouveau là-dessus, c'est le fait que l'hypothalamus peut en prendre un petit peu un coup. Alors par contre, je vous rappelle qu'en matière de santé, faut vraiment pas prendre de décisions radicales et y réfléchir sur la base d'une brève. Là, on pose une question, mais la personne la plus qualifiée pour y répondre, ça sera toujours votre gynécologue si vous avez un doute. C'est une première mondiale, l'Agence spatiale européenne vient d'initier un nettoyage de l'orbite terrestre. Et alors vous vous demandez peut-être, pourquoi maintenant ? Ah c'est vrai, pourquoi nettoyer maintenant alors que certains débris spatiaux polluent l'espace depuis plus de 60 ans ? Eh bien parce que les ministres qui se sont réunis à Séville lors du congrès Space 19+, ont compris qu'il n'y avait plus le choix. Il faut débarrasser les orbites basses de leurs nombreux débris volants.
Et ainsi, la première mission de nettoyage, Clear Space One, qui sera lancée en 2025, aura pour mission de réceptionner l'étage supérieur Vespa à 800 km d'altitude. En 2018, on envoyait une Tesla et maintenant on va chercher un scooter italien. Les humains font vraiment n'importe quoi. Eh ben non, Cowboy, le Vespa, c'est pas un scooter old school, hein. C'est plutôt l'équivalent d'un petit satellite d'environ 100 kg qui constitue un premier objectif raisonnable pour la mission Clear Space. Et après lui, l'Agence spatiale européenne s'attaquera d'ailleurs à des plus gros poissons, sans mauvais jeu de mots, hein, comme les satellites Envisat et ERS 1 et 2. Bref, il semblerait que Clear Space soit les pionniers de la désorbitation active. Un secteur qui a, faut le dire, énormément de potentiel, puisque l'orbite terrestre fourmille de débris spatiaux qui posent de plus en plus de problèmes. Il y en a qui disent que c'est une vraie poubelle d'ailleurs. Il y en a des centaines de milliers. Et le souci, c'est qu'ils commencent vraiment à menacer nos équipements opérationnels, comme les satellites qu'on envoie, ce genre de choses. Et à tel point que tous les mois, l'ESA doit gérer plusieurs alertes de collisions très sérieuses. Comme par exemple en septembre de cette année, quand l'agence a été obligée de dévier le satellite Aeolus pour qu'il évite une collision avec un satellite de Starlink. Bref, donc c'est bien devenu le bordel. Bravo Elon. 7000 tonnes, c'est l'équivalent de tous les déchets qui tournent autour de la Terre. Bon alors, entre les effets possibles de la pilule, les jeunes qui s'éclatent au proto, les fusils qui tirent sous l'eau et les apliogénistes, on vous a pas trop stressé j'espère? Je crois que la réponse est contenue dans la question. Ouais, bon, en tout cas sur une note plus optimiste, je vous rappelle que vous pouvez apprendre l'espéranto sur le site iCurso. Soyez curieux, vous avez tout à y gagner, et si vous voulez vous la péter et dire, tu sais, moi je sais parler espéranto, et être un peu dans le turfu, ben, foncez quoi. C'est bourré de ressources gratuites, et on vous met tout ça en description. Ah, j'ai remarqué que l'atmosphère était quand même plus détendue, plus sympathique aujourd'hui. C'est peut-être parce que Constance n'est pas là. Oui, certainement, Cowboy. Sur ce, eh bien, l'épisode est terminé et je vous dis salut la poiscaille. Non, pardon, c'est pas ça, non. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir, l'Astrolabe. À bientôt.